Donc ici alors, le Tourer CUV 500 MQ 2023 nouveauté Knaus sur base Volkswagen. Alors ici on a la version commerciale, là-bas on avait la version prototype. Alors version commerciale, petit changement, ici sur le prototype on voyait ici des barres, ici on a un autre système, et puis ici il y avait une petite différence. Alors la version commerciale, 89 450 euros, 97 755 euros ici en commercial. Alors c'est un véhicule qui a gagné des awards, donc un véhicule 4 places route. Donc on entre dedans, il y a un joli salon base Volkswagen. Alors ce véhicule, le toit est amovible, hein. Il bouge, etc. Et donc il y a un joli textile qui a l'air assez épais, donc c'est pas mal. Alors sur la version prototype, on n'avait pas la fermeture de la douche ici. Là il y a un système de fermeture automatique. Il y a du textile, donc on voit la cabine de douche là, comme ça. Alors au-dessus du poste de pilotage, le lit. Il y a un hubette dessus, alors c'est assez sympa, hein. On ramène tout doucement. Et quand il est ici à niveau, non, c'est un peu avant, hop, on la baisse et ça donne ça. Bon, je suis pas certain de bien maîtriser le truc. Il faut le monter un peu, je sais pas. Hop, il faut avoir l'habitude, mais bon, ça marche, hein, c'est sympa. Le système est très facile, là c'est bien, hein. Ça marche bien, ça fonctionne bien. Alors, ici, hop. Donc quand on est assis sur le siège, on voit ça en fait. Donc à l'entrée du véhicule, un réfrigérateur à compression, une jolie petite cuisine avec un combi de feu plus évier. Donc ça c'est du standard, hein, déjà vu. Les panneaux de contrôle, etc. Et ici, donc des petits tiroirs ici avec range couvert. Et ici, un petit rangement avec la technique. Alors, le lit, deux places et à l'arrière, un accès soute. Non, c'est la penderie. Il y a une petite soute derrière. C'est la penderie. C'est la petite marche qu'il faut enlever. Mais bon, il y a une petite penderie. Ici, lit de place. Alors ici, avec ce système de douche qui descend ou qui remonte. Donc quand il descend, on a un grand lit de place à l'arrière. Et ici, il y a des malles flexibles avec visiblement des systèmes pour accrocher ces malles. Donc ça, c'est pas mal. Hein. Système de malles très légère, c'est bien. Là. C'est bien, c'est bien. Innovation, innovation. Il y a une télé, il y a une télé. Et puis voilà. Donc là, la salle de bain, on a ce système donc avec la douche. Le lavabo qui peut bouger, le lavabo qui peut bouger, voilà, juste avec deux mains j'y arrive, avec une main j'y arrive, c'est dire. Donc ici j'ai bougé le lavabo, et ici je vais le remettre en position, hop, voilà, j'ai remis en position, juste avec une main, il faut juste tirer une petite tirette ici, et puis voilà. Donc là, il y a une petite vitre pour s'admirer. La douche, elle est comme ça. Et ici, il y a une jolie douche, hein, sympa. Et donc, il y a des portes, des demi-portes, évidemment, parce que quand ça se rabat, en fait, il ne faut pas casser les portes en dur. Ok. Donc, voilà. Et ici, donc, le lit, on va le remontrer après. Donc alors ici, on voit la douche, et quand on rabat la douche, hop, on libère le lit. Alors je mets le matelas pour voir le lit. I'm looking at the bed. The big bed. Donc le big bed, quand la douche est rabattue. Et si on veut reprendre la douche, c'est facile. Ah ok, donc on a ici un texte, le textile ici, il faut le dézipper ici. Ok,
Can you just reopen? Ok. Et donc ça libère de nouveau cette superbe douche. Super, super. Very good. Thank you very much. You're welcome. Oh. Donc joli véhicule à 97 755 euros.